Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons continuer notre travail sur les ponts. Mais cette fois, regardez, on va essayer de tracer des ponts, des lignes de ponts, des ponts qui se suivent. Alors, pour ça, dans un premier temps, papa et maman doivent vous aider. Donc, vous demandez à papa et maman de prendre un feutre et de dessiner une ligne de pont. Pour ça, ils doivent commencer tout au bord de la feuille et dessiner un pont. Et lorsqu'on en a fait un, on ne s'arrête pas, on remonte pour faire un deuxième pont. Et encore une fois, on remonte pour faire un troisième pont. Et on continue comme ça, sans que la main ne s'arrête. On va jusqu'au bout de la feuille. Papa et maman, je compte sur vous. Une fois que papa et maman ont dessiné une ligne de pont, les enfants, vous pouvez vous entraîner à suivre cette ligne avec votre doigt. On se place à gauche sur le premier pont et on va suivre la ligne de pont doucement sans arrêter son doigt. On doit aller jusqu'au bout de la ligne sans s'arrêter. On le fait plusieurs fois. On se remet à gauche et on suit les ponts avec son doigt. Encore une fois. Très bien. Si vous avez envie, vous pouvez reprendre une assiette avec de la farine et essayer de faire la même chose dans la farine. Dans un deuxième temps, regardez, on va prendre une deuxième feuille. Et cette fois, je vais demander à papa et à maman de tracer des petits ronds qui ne se touchent pas. On va faire une ligne de cercle. Voilà. Et maintenant, les enfants, ça va être à vous de tracer des ponts qui passent au-dessus de cette ligne. Regardez, je vais prendre une autre couleur. Alors, je prends le bleu foncé. Et cette fois, c'est à vous les enfants de tracer les ponts. Regardez, je me mets à gauche, au bas de la feuille, et je vais monter pour tracer un pont qui passe par-dessus le cercle. Attention, regardez, je ne m'arrête pas, je n'ai pas levé la main. Je continue, je fais un autre pont qui passe par-dessus le cercle. Et encore un. Vous avez vu? Je remonte en repassant sur ce que j'ai déjà tracé. Et comme ça, jusqu'au bout. Vous pouvez demander à papa et maman de vous tracer une autre ligne de cercle. Ou vous, de les faire vous-même. Vous savez faire des cercles, les enfants. Je peux prendre une autre couleur si j'ai envie. Et je trace une deuxième ligne de pont. Ah, vous entendez les enfants, c'est mon téléphone. C'est maîtresse Lisa et maîtresse Marie-Claude qui m'appellent. On va préparer de nouvelles choses pour vous. Entraînez-vous bien.